Hello les filles, aujourd'hui on va voir comment rattraper des boucles qui n'ont pas donné le résultat qu'on espérait. Alors, que vous soyez en Afrique ou en Europe, ça peut arriver lorsque vous réalisez une coiffure que le lendemain ou même deux jours après, vos boucles n'ont toujours pas séché. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Donc, première chose, lorsque vous défaites les boucles, il faut toujours appliquer une huile parce que l'huile va permettre de limiter les frisottis. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, lorsque vous allez dérouler vos boucles, vos bigoudis, ne séparez surtout pas les bras parce que déjà, si ça n'a pas séché, ça veut dire que si vous séparez les bras, ce sera encore pire. Donc, vous n'allez pas séparer les bras. Et troisièmement, pendant que vous réalisez, donc ça c'est vraiment anticiper, toujours le faire, avant de réaliser, de poser vos bigoudis ou de réaliser vos bantounottes, prévoyez toujours de faire des sections plus petites sur le devant. Parce que lorsque les sections sont plus petites sur le devant, vous êtes au moins sûr que même si ça ne sèche pas derrière, devant au moins, ce sera, le résultat sera meilleur. Donc du coup, avec ça, vous allez pouvoir réaliser une coiffure comme celle-ci, c'est-à-dire que vous allez vous réserver la frange où les boucles sont plus définies pour justement réaliser une belle frange bouclée. Et le derrière, vous allez tenir vos cheveux en chignon. Donc de cette manière-là, vous avez une très belle coiffure, ni vue ni connue. Et voilà, vous ne perdez pas tous les efforts de votre travail de la veille ou d'il y a deux jours. Donc voilà les filles, c'était juste des petites astuces pour toujours avoir une coiffure apprêtée. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.